Bonjour et bienvenue sur la Gata TV. Bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en présence du Droid Tech et on se retrouve pour le 7e épisode de Tessa versus Lovecraft, l'épisode 7. Donc là j'attaque la deuxième map, comme je vous le dis, j'avance avec vous, je fais pas entre temps et tout ça, puisque du coup j'ai d'autres jeux en cours, j'ai d'autres jeux indie à vous présenter. Et là c'est parti pour la deuxième map. Donc là il va falloir que je vois autrement comment faire. Pas enfin non. Donc là, qu'est-ce qu'on peut avoir? Tir rapide. La petite bombe va faire du bien. Elle va me sauver. Ah, j'ai vraiment du mal à le tuer. Impeccable. Peu de poisson là. Okay. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir là? Ah ouais, j'ai pas vu de missile là. Oh le délire. Un fragment d'éther là-bas. Ok. Ah, niveau terminé, mais j'ai même pas tué le boss. Bon, tant pis. Donc là, on continue. On va voir ce que ça donne. Redistribuer, esquive. Ouais. Il fait tout, il est con. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir? Des charges éclair. Ça peut servir. Ça va servir par contre.
Là, ça devient vraiment n'importe quoi. Un peu de sang, ce serait pas mal. C'est bienvenu. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir? Boost de vitesse. J'ai dû les avoir. Ah bah j'ai même pas le bonus de la régénération, tant pis. Et on reprend. Allez, on continue, là c'est pas si on est dans la ville. Ouais, là, il a vraiment la dose. Hein. Wow. C'était chaud là. Je peux voir autre chose que mon petit pétard. Un petit peu de nettoyage. Ah ouais, les balles ricochées là, ça me sert à rien. Rien ça, hein. C'est un skip ce pétard là, il sert à rien.
pas si j'ai bien fait de le prendre là, mais bon, tant pis. Ouais, nickel. Il m'en reste 15 à tuer. Pas mal la barrière. Niveau terminé. Bon, j'ai pas pris les terres encore une fois, dommage. J'ai une poussée d'adrénaline. On va voir ce qu'on peut faire là avec tous les terres que j'ai récupérées. 46, ça peut être pas mal. Oh merde, 70, ouais. Sur des 46, on va attendre un peu. J'aimerais bien avoir ça. Oh merde, j'ai pas vu celle-là. Ça va être long, non? Projectile affûté, esquive. Redistribuer. Être mieux là. Merde. Crevez-moi. On va venir prendre la terre là. C'est trop bon pour que ça reste en place.
C'est pas que je suis... Hein, c'est pas le pétard chiffle le plus sûr. Hein. Bon, sur le cratère. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? Ça, ça peut servir. Il me reste encore 15 à tuer. Oh mais j'ai même pas pu prendre le bonus, mais c'est abusé là. Bon allez, on continue encore un petit peu ensemble. Donc je rappelle, je suis sur la map 2 de Tesla versus Fox sur Switch. Et vous êtes sur la Gata TV. Non, c'était déjà dur comme ça, mais là ça suffit, non? Ah non, ça devait pas être assez dur comme ça. Et du coup, il arrive pas à me pétard là? Là-bas, on va aller chercher. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Non, c'est pas sûr que je voulais.
ce boost là, ça va faire du bien. Alors, merde, c'est pas drôle ça. Et voilà, niveau terminé, impeccable. J'aurais préféré avoir un peu plus d'éther, mais bon, on peut pas tout avoir. Donc là, 54. C'est quoi 100? J'ai pas vu. Excentrique, vous commencez le niveau avec un bonus aléatoire gratuit. Ah bah ça, c'est bien ça. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne dans le niveau. Ça m'a l'air totalement dur. Merde, fils du dragon. Qu'est-ce qu'on peut avoir là? Ah, fils du dragon est éliminé, impeccable. Niveau terminé, impeccable. Ça, c'est vraiment... parfait. Donc voilà pour l'épisode 7 de Tesla versus Lovecraft. On se retrouve très rapidement pour l'épisode 8. Je vous dis à la prochaine. Salut! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.